nous avons choisi de vous présenter les enfants de la Résistance pour son côté historique. En effet, Vincent Dugommier et Benoît Hers ont su approfondir nos connaissances en nous plongeant dans une période historique au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Cette bande dessinée, qui traite de la Résistance française, nous livre l'histoire de deux enfants habitant en zone occupée. François et Eusèbe vivent dans un village des Ardennes. Du haut de leurs 13 ans, ils assistent à la signature de l'armistice entre le général Pétain et Adolf Hitler. Quand les troupes allemandes traversent leur village, c'en est trop pour François. Il fait mine de les ignorer. Hors de question pour lui de laisser penser à l'ennemi qu'il pourrait avoir peur. Le jeune garçon est décidé à agir plutôt que de se résigner comme trop d'adultes. Dans le tumulte des événements, François et Eusèbe font aussi la connaissance de Lisa, une jeune réfugiée qui se dit belge. L'ouvrage pose la question intéressante de la place des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. François et Eusèbe lancent sans le savoir un mouvement de résistance et ont, avec une certaine dose d'inconscience, multiplié les actes de sabotage à l'égard de l'occupant. Sans forcément appréhender le danger encouru et sans imaginer les représailles que leurs actes peuvent engendrer pour la population locale. Au cours de l'album, on croise en effet des Français au comportement très contrasté face à la présence ennemie. Il y a des révoltés, des indécis, des fatalistes et des collaborateurs. Cette BD montre aussi le comportement odieux de certains soldats allemands, mais également qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Notamment en mettant à l'honneur l'acte de bravoure de deux soldats allemands qui font preuve de courage et d'humanité en sauvant une jeune femme d'un incendie. Et comme le mentionne François, on pourrait penser qu'ils avaient agi pour séduire la population, mais cela me semblait sincère, humain. Effectivement, cet album exalte l'esprit de résistance qui nous délivre un message positif. Celui de la nécessité de se rebeller lorsqu'on est témoin de faits injustes et qui nous révoltent au plus profond de soi. Dans ce cas, même ce qui est interdit peut être transgressé. C'est ce que fait François. François nous l'a justement dit. Des regrets et des frustrations. Voilà sans doute ce qui avait poussé les gens à élire Hitler. Le nazisme était un parti pour gens déçus. Un premier tome intéressant et très bien documenté qui possède suffisamment d'atouts pour séduire un public adolescent aussi bien qu'un adulte. Divertissant et instructif, nous avons conseillé à notre bibliothécaire d'acheter les autres tomes. Nous avons hâte de les découvrir, en espérant être aussi enthousiastes qu'avec ce premier tome. Cette présentation vous a été faite par Chloé, Charlotte et Thaïs. Toutes les trois, nous sommes membres du club de lecture ado de la bibliothèque municipale de Richemont.